que nous avons lancé aujourd'hui, c'est le projet de promotion des pratiques agroécologiques pour la résilience au changement climatique et également pour l'amélioration du pouvoir économique des femmes et des filles, surtout des filles mères et des femmes vulnérables. Ce programme est destiné aux filles mères et femmes en situation difficile du département de l'Atlantique. Et précisément, nous allons travailler avec la communauté de Toribosito, de Pomacé, de Ouida, de Soava, de Godometogudo également et également de Sekou. Ce programme est surtout lancé en fait de faire des formations. Il s'agira de former ces filles et femmes-là, de les outiller en matière de production et d'utilisation des biofertilisants liquides, des biopesticides liquides également. On avait déjà fait cette phase en temps. Ici, nous sommes à la deuxième version de la phase qu'on avait entamée en temps. Cette nouvelle phase, en fait, c'est de les former, de les outiller en matière de fabrication elle-même de leurs biofertilisants, de leurs biopesticides, afin de pouvoir réellement, en un temps record, pouvoir fertiliser leur sol et éviter vraiment de mettre des éléments chimiques. À travers cette formation, où elles seront amenées à fabriquer elles-mêmes, à savoir comment faire avec nos plantes locales, nos plantes autochtones, avec les alternatives qu'il y a au niveau local, elles pourront savoir comment elles-mêmes réaliser ces fertilisants-là et comment mieux apporter des éléments organiques à leur terre sans pour autant aller vers les fertilisants chimiques. Et vraiment, le but de ce projet, c'est de vraiment les aider à ce qu'elles oublient ce qui est éléments chimiques et que ça donne beaucoup plus à la promotion de l'agroécologie, c'est-à-dire à la production saine, sans éléments chimiques, sans être de synthèse qui entre sur dans leur production. La mère Dja a été choisie comme marraine de l'événement parce qu'elle représente notre famille, la Fédération agroécologique du Bénin. Elle est un membre important de cette famille. La famille Dja a toujours été ses précurseurs là, au Bénin des pratiques agroécologiques. Nous avons appris d'eux, nous continuons d'apprendre d'eux et nous avons vraiment besoin de leur bénédiction et de leur soutien afin que tous ces projets que nous mettons en place, toutes ces initiatives-là soient réellement sous le sceau de ce qu'ils nous ont appris et que vraiment ils nous aident à l'accomplir. Donc il a fallu, aujourd'hui nous avons voulu que la mère Dja soit avec nous parce que sa présence notifie alors cette source-là de non seulement de bénédiction, mais également ces généreux mots à l'endroit des bénéficiaires pour qu'elles sachent que c'est depuis le temps de nos parents, de nos grands-parents, que l'agroécologie existait et qu'il faut maintenant retourner à ces pratiques-là. Il faut retourner à l'agroécologie, retourner à la base et pouvoir donner à la terre ce qu'il lui faut et non la détruire. La première édition, c'était en 2020, lors de notre programme Women Agripreneur, où nous avons formé des filles à Toribosito surtout, et elles avaient été formées sur 6 mois. Nous les avons outillées de la même manière à la production de fertilisants organiques, agroécologiques. Elles avaient été suivies tout le long de ce programme-là. Et elles ont vraiment mieux fait. Elles sont totalement démarquées. Elles ont continué dans le processus jusqu'à ce jour. Et nous sommes là à la deuxième phase avec elles parce qu'on les avait formées en compost organique, c'est-à-dire comment faire son compost. Comment est-ce qu'il faut faire son biopesticide. Le compost organique étant un peu long à réaliser puisque ça fait 3 mois avant d'être décomposé et totalement arrivé à l'étape de maturité pour être utilisé dans le sol, elles ont jugé vraiment utile de nous demander en fait comment est-ce qu'il faut faire pour que ça soit beaucoup plus réduit, pour que ce temps-là de production de leur compost ou de leur fertilisant soit plus réduit afin qu'elles arrivent vraiment vite à fertiliser leur terre et à produire plus de légumes et fruits et apporter au marché. Au Jardin de l'Espoir, nous attachons vraiment du prix à le renforcement de ces capacités-là, surtout les capacités des femmes, des filles, des jeunes, aux pratiques agroécologiques. Pour nous, c'est déjà notre vision de base, et c'est de réellement aboutir à cette jeunesse-là, à ce réseau-là d'acteurs qui seront vraiment plus soudés, solidaires et qui vont aider à la promotion des pratiques agroécologiques. Et nous profitons vraiment pour les remercier, pour leur dire réellement que nous sommes contents de leur engagement à nos côtés, nous sommes contents de leur soutien, de leur appui
Et nous savons que leur présence aujourd'hui avec nous sur, à ce lancement officiel est vraiment le signe d'une longue collaboration encore et d'un grand sentiment où nous sommes rassurés qu'ils sont là et qu'ils sont décidés à nous accompagner encore plus longtemps. Et nous remercions également les autorités locales, en l'occurrence la mairie de Toribocito, qui n'a ménagé aucun effort pour nous mettre à disposition sa salle et qui nous aider vraiment à ce que ce lancement officiel soit réalité.